Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. Donc, on va se faire passer aujourd'hui pour de la marchandise, bonjour. Je voudrais devenir de la marchandise pour être marchandisé et de faire des choses de marchandisement. Est-ce que c'est possible? J'ai bien dit marchandisé et marchandisement exprès, hein. c'est pas des vrais mots, hein, vous inquiétez pas. Non, je veux pas faire un tour de char à voile, je veux faire... Ah, mais merde. Bon. Comment qu'il fait dans Naruto, déjà? Kagebunshin Nanjutsu, et il se transforme en... Non, c'est pas ça, c'est quand tu fais une substitution qui se transforme en quelque chose d'autre. Bon, je me substitue en cargaison, voilà. Under attack! Get out, quick! Get out! Ah! Wow! Parle! Qui t'envoie? The ASC would kill me if I should have known you worked for Victor. Who told you where to attack? A merchant. The one who always gives us information. Hmm. Dressed like that one over there. Boom! Raté! Raté! Tombe! Hop! Raté! Boum! 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 Voilà! Merci d'être venu! Hop! Qu'est-ce que t'as sur toi? Rien! Qu'est-ce que t'as sur toi? Rien! Qu'est-ce que t'as sur toi? Chemise de pierre de Noctis, pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as sur toi? Veste de marteau de Noctis légère, d'accord, pourquoi pas? Ok, on s'est donc fait agresser par des abrutis. Le marchand semble tout ce qu'il y a de plus mort. Et eux aussi. Allez, au caravansérail, on rentre avec le voilier du coup. C'est parti. Bon, bah voilà un truc bizarre qui vient de s'arriver dans un début d'épisode tout aussi étrange. Donc, du coup, Dalando qui voulait... Dandalo, le prince à la con qui voulait nous voir partir. Bah, c'est un peu con pour lui parce que du coup, on est... On est là. On est encore là. Et on va lui faire un rapport parce que voilà, fuck it. Fuck you, bitch. Ok. Et yop. Bonjour, j'ai marchandisé, je suis devenu marchandise. J'ai marchandisonné et merde. Et merde. Dis-moi qu'il est bugué dans l'espace et le temps, parce que là ça m'inquiète pour le coup. Où il est? Où est cet homme dégueulasse? Entre mon armement qui ne se range pas. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, je pars. Ah ah ah. Je remonte. Je ne peux pas sprinter parce que voilà, fuck it. Il est pas là. Il est pas là et où il veut pas me parler. Attends, je suis bien là, où est son point? D'accord, donc je l'ai dans le cul. Je ne peux tout simplement pas retourner le voir. J'imagine. Ok. Ok, donc en fait, oui, il me vire bien en dehors de sa ville, quoi, littéralement. Ok, bon bah écoutez...
Il nous a littéralement viré de sa ville. Il ne veut même plus nous parler. Nous qui avons fait tout son bordel, tout ce qu'il a réclamé, il nous vire allègrement. Merci à lui. Bon ! On va raser ta ville quand on va revenir avec une armée de technomans, parce que je rappelle que je suis grand maître quand même, ils vont pas me faire chier non plus. Non, non, casse-toi. Hop. Yo. Ben non, ça marche pas, il veut pas que je fasse mon rapport. C'est parti, voix d'ombre d'Aurora. This is the definition of insanity. Do you think they know how many times I've attacked them? I'm really sorry, Zack. I'm sure Dandolo would have preferred to keep us all in Noctis. It makes me uncomfortable, but we can't keep Noctis under Vicious. Oui, bah écoute, t'es bien naïve, ma grande. He wouldn't hesitate to wipe it off the face of Mars just to get his hands on. Eh ben non, il peut pas, parce qu'il a besoin des marchands pour tout le sérum. Abruti. Big Bad Victor is definitely a manipulative rat, but he's gonna have a lot of trouble wiping out a city like Noctis using a couple of harebrained schemes. Je suis d'accord. After all these years, I'm forced to join the enemy. Disconcerting, to say the least. I don't want to make light of a bad situation, but doctors and scientists are welcome there with open arms. And pathetic drunks? How are they welcome? Do the corporations differ all that much? I know you were raised to think so, but as a mutant, I only see humans bickering over petty squabbles. C'est pas faux non plus, merci Phobos. The differences don't matter now, especially since they're welcoming you with open arms. Supposedly, technomancers are treated well. Oui, mais on pense pas qu'à nous, nous. I know this transition is going to be hard for you. Aurora may ask you to fight against your former corporation. Ça me dérange pas, les seuls mecs dont je me rappelle, les seules personnes dont je me rappelle à part Elisa Major m'ont attaqué. Donc bon. Voilà. Snake Allen. That doesn't really matter, right? Bah tu as tout compris mon ami. I like you, but if they try to take my rover, I'm out. So fucking out. Me and my rover or nothing. Compris, merci. Bon. C'est grand, c'est sableux. Et c'est rempli d'ennemis, forcément. D'ennemis faibles, tout plutôt. Dit-il en frappant 30 000 fois un monstre. Hop, merci de me vouloir décéder. Ok, on va passer par là juste pour voir si justement il n'y a pas la moindre chose. Mais apparemment, non, ce n'est pas le cas. Non, j'ai venu juste pour parler à quelqu'un. Ok, on va pas dépecer parce que voilà, fuck it. Hein. On a déjà plein de cuir, de machin, de bidule. Pas besoin de s'embêter avec plus. Ah mais si, on est déjà venu ici. C'est justement de là qu'on s'est fait attaquer. Parler à Dandolo. Ah bah il était là en fait depuis le début. Ok, salut. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Oui, bah toi je t'aime pas. Aïe. Hop. Aïe. Mais il me saoule là, je me fais gangrape. Hop. Crevez tous. Attaque spéciale du tourbillon magique de la mort qui tue. Raté. J'ai eu le deuxième canon. On marquait qu'ils me regardent tous. Hein. Ah, les technements d'Aurora, tout ça, hein, c'est la forme. Hein. On la sent, la grosse corporation, si vous voyez ce que je veux dire. Aïe. Aïe. Tu vas arrêter, oui. Ok, tu veux jouer à ça. Ah mais merde. Tu vas bien réussir à... Mais... Ok, ils veulent la jouer comme ça.
vache. J'en chie. Oh mais la gueule. Le mec à main nue il est plus rapide qu'une balle. Mais merde. De la foudre. Non non c'est rien, c'est juste des chatouilles. Oh, oh. Le petit coup de crosse dans la dans la tempe, pardon. Oh là là, mais ces combats sont d'une difficulté depuis deux épisodes, je sais pas ce qui s'est passé. Yo. Ok, bon ça c'est un échec. What? Attends, elles sont où mes... Elles sont où mes injections? Elles sont où mes injections? En train de me dire que j'ai payé je sais pas moult injections pour rien? Pour des ennemis qui dashent comme ça? Pouah. Et attends, jeu de merde là, elles sont où mes injections? Non, non, mais là il y a des limites hein. Merci, on voit bien qu'on en a 31. C'était juste un gros bug. Merci le jeu. 31 injections, voilà. 31 injections, merci. Ok, c'est bon. What? Vous avez vu une injection, combien ça consomme? Et ça m'a même pas régène toute ma santé. Alors là, j'aimerais comprendre. Alors là, j'aimerais comprendre, chers amis. Ok. Ok, ça m'a retué. Alors, vous avez vu à quelle vitesse mes injections se sont consommées? Parce que là, franchement, je suis sur le cul, moi, perso. Hein. J'ai consommé 32 injections, 31 injections en une fois. Rien que ça. Donc, on recommence. Hop, et de 1... Oh, mais... Oh la vache, si je reste appuyé sur le bouton, c'est la mort assurée. En fait, je les consomme tout à la chaîne. Voilà. D'un seul coup, j'ai tout utilisé. Voilà, le petit dash. Qui fait plaisir. Et je vais crever bêtement. Hop. Raté. Hop. Hop. Ok. Il me reste donc littéralement un poil de cul de vie. Je ne peux pas les foudroyer parce que voilà. Ils ont leurs armures. Mes copains ne sont pas vraiment des copains. Vu qu'ils sont déjà tous morts. Un de plus. Pff.
Hop. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, il y a un bug au niveau des injections. C'est génial. Falloir que je vois comment que je corrige ça parce que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, du coup. Andrew soit offensif, hein, c'est pas la peine. Du coup. Arme électrique, c'est pas la peine. Arc électrique, c'est bon, c'est déjà mis. On va essayer le point électrique. Ok, on recommence. Hop. Ok, il y a toujours le trou du cul qui me tire dessus là. Hop. Raté. Oh mais merde. Ce gangbang de dash. Mais ça va pas le faire. On va pas y arriver. On fait tous les combats du jeu avec une aisance quasi insolente. Et là, le jeu décide que non. Hop. Hop. Allez les filles. Hop. Combien de balles je viens de me bouffer d'un seul coup là? Est-ce que tu veux bien aller dans le bon sens quand j'esquive? Parce qu'apparemment il voulait pas aller vers le bas. Allez. Une piqûre, il veut bien, ça n'a pas rebugué. Et bon, je vais crever quand même, donc c'est pas grave. Ok. Ok. Hop. Et voilà, ça m'a tout gaspillé encore une fois. Pourquoi, je ne sais pas. Hop. Allez, meurs. Ça m'a quand même gaspillé pour 1000 d'injections de soins. 1000. Putain, c'est pas rien quand même. Ah bah vous étiez là, vous. Release him. Let him serve as our messenger. I hope Zachary. Et il est avec eux. Clairement, il est côté SC celui-là. But it was a means to an end, necessary to ensure peace of mind. Ah bah tu me dois à peu près 1000 crédits, donc 1000 sérums. Donc vas-y, fais péter. À boule les crédits. The SC now believes you uprooted yourself to Aurora, where they will never go looking for you. So keep a low profile here, and you'll have nothing to fear. Donc c'est pas la fin du jeu, je suis pas trop déçu. To send you to Aurora was never really an option. The political climate is not exactly conducive to a technomancer. And here you have Phobos, who's offered to open the doors of his home to you. But I'll leave him to explain this better. Your brothers and sisters will follow you. D'accord. Be well, Zachariah. Ok, salut. Mutant Valley. Got ripped off. Dandolo had planned everything from the start. The costumes, the rover repair, and he even let Victor settle down without a word. All of that just to organize. Voilà, c'est parce qu'ils sont là. C'était une fausse rencontre avec une vraie attaque. The douche
douchebag with real nice clothes. Douchebag. Non, on n'est pas dans South Park. Even though he totally fucked us over, I gotta say, what you just did back there, real classy. Victor the Dictor is probably having a little tantrum. C'est vraiment une saloperie depuis le début, je l'avais dit. Hein. Go south. My people's refuge isn't far away. Finalement, nous n'allons donc pas chez Aurora, mais on va à la Mutante Vallée. Nothing like that. It's a valley, or perhaps more accurately, a crater. There is vegetation there, like anywhere else. Bah si c'est joli, tant mieux. It's something you've never seen before. A secret place that's one of a kind? What the fuck are we waiting for? Ah, on lui a remonté le moral d'un seul coup là. How does your valley, city, state, whatever you call it, work? How's the ecosystem? Do you all take turns farming? And is there a monarch? I mean, do you have princes? Or do you have a people's assembly, like abundance? We avoid centralizing power, so we have orators. Orators come from the people and speak for the people. And if majority rules, then the decision is... Bref, democracy! If we get larger, we will need a chief, especially in times of conflict. But it will be up to the people to elect a candidate. I'm used to not being welcome wherever I go, but this place, won't we be despised for who we are? After what they've all been through, the grudges they hold against mankind, more than understandable. C'est une idée, effectivement. I'm worried, Phobos. Will your support be enough to grant us safe passage? On va tomber face à l'autre trou du cul qu'on aime pas, là. Also need to ask for Scum's support. He's our best orator, so as long as he's on board, it won't be a problem. T'as dit quelque chose, Rebu? Farewell, Noctis. I'm sorry to have to leave you this way. I'm sorry, Nisha. Stop. It's not your fault. It's Victor's. I just hope I can come home soon. Okay. You cannot enter the valley. No human is allowed there. There must be a way to make an exception. Sorry, Phobos. You know that I respect you, but I am following orders. To be honest with you, it is for your friend's safety. I do not know how they would welcome them in there. Maybe if another speaker supported them. I will go see Scum. Okay. I managed to see him. He offered me something. Scum is an important figure here, one of the great speakers. People listen to him. If he supports you, you will be able to get in without being lynched. But he wants you to prove yourself by helping a group of mutants. Ce qu'on fait depuis le début du jeu. A group of mutants have escaped a labor camp. They have not arrived here, though, so he fears they have found trouble. We will need to find them and see what has gone wrong. Ça me semble legit. Bring them safely. Je l'aurais fait dans tous les cas, de toute façon. You will not only earn their support, but Scum's as well. Quite the asset. All right. Do we know how they were supposed to get here? The shortest and safest route to take is the canyon, right here. Okay. Let's go see what happened to them. Okay, okay. Pourquoi pas? Bon. Eh ben écoutez, ça nous met tout un petit... Bon, oui, je sais bien que je suis pas... J'ai pas là. Ça nous met donc un fil conducteur pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode, en tout cas, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Ne pas trouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamespain.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo, et je n'ai encore une fois perdu que 1000 crédits, c'est génial.